4. Suivez ce programme de Cinémulation du lundi au jeudi à partir de 13h30 GMT sur la télévision albayane. Télévision albayane, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Eh bien, nous revoilà sur vos écrans pour passer avec vous un excellent week-end. Bienvenue, précieux téléspectateurs, dans votre émission qui vous fait découvrir, à travers chaque épisode, la gastronomie ivoirienne dans toute sa splendeur. Alors, êtes-vous prêts à vous faire plaisir avec de nouveaux petits plats? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains et hop, en cuisine! Pour ce tout autre numéro des délices de Côte d'Ivoire, nous avons au menu une salade tropicale et pour l'occasion, nous sommes en compagnie de chef Koulibaly. Bonjour chef. Bonjour madame, ça va? Bienvenue dans notre cuisine. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser une salade tropicale? Ok, en fait, c'est une salade très... D'accord. Aussi en Côte d'Ivoire, avec les ingrédients ivoiriens. D'accord. Et vraiment délicieux. C'est un peu salé sucré. Sucré salé. Les oignons, la tomate. D'accord. Les oignons, le concombre. En premier lieu, nous commençons par quoi? Nous allons commencer à dresser la salade. La demande bien lavée, essorée, mais il faut le laver avec... J'ai justement une question. Oui. La différence entre la salade et la laitue, c'est quoi? Parce qu'on confond tous la salade et on se dit salade, salade, alors que c'est la laitue. Donc la différence, c'est quoi pour apporter plus de lumière, en fait? Au fait, c'est tout ce qui entre comme entrée dans la préparation de salade qu'on appelle salade. Mais la salade, il y a des spécificités de salade. D'accord. Vous avez la salade laitue française, comme salade laitue qu'on a ici en Afrique. Oui, oui. Vous avez la chicorole. La chicorole. La chicorole. Voilà, c'est une salade. Vous avez également la bétera et la batavia. Batavia. Vous avez la batavia et puis vous avez, comment on appelle, les manches. Bon, il y a une grande variété de salades. Voilà, donc celles-là, toutes celles qui ont sont vertes et touffues, on les appelle la salade verte. La salade verte. D'accord. Mais pourquoi on appelle chou-salade? Chou-salade. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les choux, elle est spécialement de ça. Mais si vous faites une salade composée de salade et de choux, vous pouvez dire salade chou. Chou-salade. Vous pouvez dire salade carotte. D'accord. Voilà. Donc la laitue, c'est la salade verte. D'accord. En somme, qui est comme ça. Les autres qui entrent, que j'ai bien décidé, sont des salades qui sont un peu. Ça complète un D'accord. peu la laitue. D'accord. Voilà un peu la différence des salades. D'accord. Cette laitue, elle est locale. D'accord. La grande laitue qu'on appelle, elle est française. Bon, il y en a au Burkina, il y en a un peu à Abidjan ici, il y en a un peu dans la Un peu partout. Nous allons passer à la préparation. D'accord. Là, comme ça, on va commencer à la découper. Pour bien le dresser. Voilà, comme ça, ça dépend. On va le dresser déjà directement dans la salade. Voilà la salade qu'on dresse dans l'assiette. Maintenant, on commence avec notre avocat. D'accord. On le met là également. Salade avocat. Voilà. On nettoie. Ensuite, c'est notre concombre. Concombre. On va utiliser notre fourchette pour donner un design à notre poivron. On va prendre un peu de poivre et on va le faire là. On va retirer les pépins de la papaye. Voilà. Et puis on le coupe en petits dés. En petits dés. Voilà. On le coupe en petits dés. On le met sur notre salade. Là, ensuite, on ajoute la betterave. Mais également, comme je l'ai dit, facultatif, c'est très intéressant. C'est totalement facultatif. Voilà. Pour celui qui n'aime pas, il peut s'en priver. Voilà. D'accord. Évidemment. L'oignon. En général, pour les salades, c'est conseillé de donner toujours les oignons rouges. D'accord.
il est plus doux dans la salade. Mm-hmm. Lui, il est beaucoup plus fort. D'accord. Mais comme nous avons beaucoup de sucre, du sel sucré, mm-hmm. il est tout donné. D'accord. Une belle petite assiette. Voilà. Maintenant, nous avons nos œufs. D'accord. Je l'ai dit. Voilà. On va ajouter l'œuf dur. Voilà, on va. Une assiette très coloriée et très riche. On va découper. Du sel toujours. Un peu de sel. Et du poivre. Du poivre. Donc rien de bien compliqué, c'est juste vinaigrette, vinaigre, sel, mayonnaise et puis moutarde. Juste ça. Ouais. On pourrait ajouter du citron à la place du vinaigre. C'est possible? Voilà, effectivement. D'accord. Donc, tu veux vraiment faire quand même le citron, tu prends le citron. Ouais. Tu peux utiliser le citron. D'accord. Voilà, ça c'est mieux que le vinaigrette. Il faut évidemment bon, cette salade, comme on l'a dit, tropicale. On pourrait, si vous avez des poivrons, vous pouvez ajouter des poivrons dedans, même des carottes. Tout il y a ça, possibilité ça d'ajouter tous les fruits que vous voulez, carottes, poivrons et tout. D'accord, c'est bien compris. Mais c'est vraiment une salade colorée. Oui. Très bien colorée. Très colorée et surtout très riche. Oui. Donc voilà. Merci. Je fais une petite partie. C'est vraiment très bon. Merci. Vraiment bien assaisonné, c'est très bon. Merci. Merci beaucoup, chef, pour cette salade tropicale. Oui. Merci beaucoup. C'est une assiette très coloriée et vous pouvez vous faire plaisir parce que nous sommes en temps de salade et tout. Elle est assez riche avec ce genre de petites recettes assez simples, copieuses et surtout bon marché. Alors faites-vous plaisir et n'hésitez surtout pas. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Surtout, merci à vous, chef Koulibaly. Au plaisir de vous retrouver quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est gentil. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine dans des listes de Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous. Bye bye. Yeah, yeah, yeah.